sortira Javari le premier jour et ensuite Isis le deuxième jour. Et ils seront en alternance comme ça pendant peut-être un mois, le temps qu'on puisse faire en sorte qu'ils s'entendent bien avant de les mettre directement en contact, parce que quand c'est deux pumas, ça peut être un petit peu particulier. Aux eaux de Guyane et dans les autres eaux en général, la reproduction n'est pas faite n'importe comment. La reproduction, elle est faite de façon cadrée et on sait où vont les animaux, d'où viennent les animaux et qu'est-ce qui va se passer par la suite.